Dans le reste de l'actualité, les activités de la nouvelle composition des groupes thématiques du G5 Sahel lancées ce matin ici à N'Djamena. C'est à la faveur d'un atelier ouvert par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Chose vue avec Idriss Oumar Idriss. La plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel a convoqué sa 5e réunion en vue de valider certains points discutés lors des dernières rencontres en juin dernier. L'objectif de cette rencontre consiste à dégager une vision globale et une stratégie permettant de redynamiser des groupes thématiques dans leurs domaines respectifs. La rencontre avec les organisations régionales et internationales au cours de la mission a montré que celles-ci portent toujours un intérêt aux activités de la plateforme. Leur présence à l'atelier d'aujourd'hui confirme bien cet intérêt. Il me paraît opportun de rappeler que l'un des objectifs de la feuille de route de la présidence tchadienne est de disposer d'une stratégie de communication institutionnelle efficace sur la plateforme et les groupes thématiques. Le groupe thématique du G5 Sahel, classé en 4 catégories, à savoir la sécurité, le développement, résilience et gouvernance, vont élaborer une feuille de route tout en privilégiant les besoins prioritaires. La plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel est renforcée à cette occasion par le secrétariat technique co-présidé par le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et la mission de l'Union africaine pour le Sahel avec le soutien des organisations régionales et des partenaires au développement.